Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Astroneer. Donc chers amis, nous sommes toujours sur la bêta, hein, enfin la pré-alpha du jeu techniquement. C'est la pré-alpha. Qu'est-ce qui se passe? Tempête de sable. On peut voir que mon personnage est ralenti. Je viens cependant récupérer un petit peu... deux compos. On va essayer de rejoindre la base le plus rapidement possible. Ce serait bête de mourir ici. Alors apparemment, il se déplace bien mieux. Oh la vache. Ici, on va quand même sauvegarder. Crac. Faut voir qu'on est littéralement... oh la vache. Eh ben on a bien fait de sauvegarder, chers amis. On va se protéger un peu. Hop, d'ailleurs on pourrait peut-être se faire une maison pas loin. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Hop, d'accord, je peux venir récupérer ce que j'avais sur moi. La vache, c'est... faut être précis dans le clic, hein. Ah la vache! Crac! Ok, et on va enterrer notre ami. Je ne peux pas, quel dommage. Ouais, on pourrait se faire une maison aussi, j'ai pas pensé à ça. Ici. On pourrait construire un gros panneau solaire de la mort. Vas-y, construis. Je vais le placer ailleurs. Je vais récupérer ce petit panneau solaire là, qui va aller sur ma petite épaule. Ah d'accord, je peux le mettre là. Ok. Ah, il me l'indique pas vert. Bizarrement. Vous voyez, comme s'il n'était pas fonctionnel. Alors ça m'intrigue un peu. Vous me direz, en ce moment, normal qu'il soit pas fonctionnel. Il fait nuit. Alors je ne sais pas. Attendez. Non, je croyais qu'il pourrait se placer là aussi. Apparemment non. On va bien voir. On va attendre un petit peu. Donc. Voilà. On va essayer de sortir un petit peu de l'endroit sur lequel on était actuellement. Hop. Vu qu'on a moult résine déjà, nous, c'est pas plus mal. On a déjà plus, je viens de dire ça, mais... hop. Crac. Pas d'énergie. Voilà. Ah, il nous manque encore un tout petit peu de résine, c'est dommage. Allez. Allez, Marcus. Allez. Ah. Hop. Il manque encore un poil. Ah, on a un petit bruit. Toujours pas. Toujours pas. Et apparemment, il n'a plus dans le coin. Bon. Dommage. J'aimerais bien que le jour se lève. Attendez. Voilà.
Ok. Allez. C'est vrai que j'aurais peut-être dû mettre un générateur plutôt qu'un panneau solaire, mais je crois que le générateur ça doit être plutôt un générateur d'oxygène. De nom en fait, je comprends pas pourquoi on mettrait un générateur d'oxygène et un... Enfin. Toujours pas, d'accord. Ok. Oh, ça, c'est pas ce que je recherche. Ça, malheureusement, c'est pas ce que je recherche. Ok. En voilà. Hop, heureusement, c'est assez commun, apparemment. Voilà, on s'en prend quelques-uns. Ok. On retourne à la maison. Vous voyez que l'oxygène, ça descend quand même assez vite. Alors. Alors, alors. Nous disions donc ici. Et vous voyez que là, sur celle-là, apparemment, je peux plus rien construire du tout. Par contre, est-ce que je peux pas mettre un... Ah! Là, il s'est déclenché. Alors, ça, c'est étrange. Ça veut dire qu'il alimente toutes les autres en... Elle a l'air de s'être allumée là-bas. Hein. Donc apparemment oui, il alimente tout le monde en... D'accord. Donc ici, ce serait intéressant. Condensateur de carburant, d'accord. Rechercher fonderie, quai des véhicules, imprimante. D'accord. Donc là, potentiellement, on pourrait construire un condensateur de carburant. Mais il faudrait du cuivre. Du cuivre que je n'ai plus. Il faudra donc que j'aille en chercher. Pour aller chercher du cuivre, vous vous rappelez, il n'y a pas 36 000 endroits. On n'a pas trouvé en tout cas nous 36 000 endroits. Il va falloir aller sous terre. Ça m'embête presque d'y aller puisque vous voyez qu'on a déjà beaucoup de composants sur nous. Je vais essayer de contrôler ma glisse hein, au passage, hein, vous avez remarqué. Je pense. Ça. On va le ramener avec nous. Hop, je vais le laisser là en espérant qu'il tombe pas. Ok. Alors, parlons, on s'était fait agresser. On s'était fait agresser par ça. Est-ce qu'il se mettait là-dessus? Alors ça c'est étonnant. Et je ne peux plus le récupérer. Ça c'est véritablement étonnant. Donc c'est bel et bien agressif. Là on a de la malachite à foison. Ah voilà, je m'en doutais. Je m'en doutais que j'allais crever bêtement. Bon, au moins on sait où est-ce qu'on est. Ça sera véritablement un point positif. Seulement, je vois pas comment je peux détruire cette chose. Vu qu'on a ni armes ni rien du tout. Est-ce qu'il y a de l'aide ou pas? Apparemment non. Du coup j'ai perdu tous mes trucs aussi au passage. Donc on a un véritable problème. Ok. Alors comment ça peut être aussi agressif?
ça envoie du pollen. Qui au bout d'un moment n'est plus toxique. Mais je peux les faire tomber. Et les recouvrir. Ok. Ça me semble logique. Si je la recouvre et je remeurs. Alors là, la question c'est de savoir si je meurs une première fois, la deuxième fois, est-ce que je perds ce que j'avais sur l'autre cadavre? Parce que si c'est le cas, c'est vraiment pute. Mais vous voyez que là, pour le coup, la façon de détruire les monstres est peut-être pas... On la connaît peut-être pas suffisamment, hein. J'aurais peut-être dû, par exemple, couvrir avec le mur, je sais pas. Voilà, donc là, on est en descente rapide. Hop. Tu peux arrêter de glisser, hein, c'est bon. Crac. La question, c'est de savoir si j'ai perdu les deux cadavres. Ou seulement un. Puisqu'apparemment là, il m'attaque plus. Là j'avais rien sur celui-là. Et je suis encore mort. C'est fou. Leur capacité à faire des dégâts, elle est mortelle, hein. Ou alors c'est mon oxygène qui me manquait. Ça m'étonne parce que j'ai pas eu d'alerte. Oh là là. Ils sont véritablement balèzes. Des monstres balèzes. On avait fait plein de choses pendant le premier épisode, j'étais content de moi. Mais finalement, je me rends compte que le jeu est tout aussi bien capable d'être fucked up, hein. Vous voyez, il m'indique un cadavre. L'autre a disparu. Ce serait bête de bourrir bêtement. Voilà, j'ai un sprint. Bon là il va plus me tuer. Ah, il me fait encore des dégâts le nuage là. C'est bon, il m'en fait plus. Mais il continue à m'agresser. C'est bizarre quand même. Je veux pas dire. Ah putain, il continue, hein. Le problème c'est que là il y en a plein aussi. Ah la vache! Mais non! C'est débile! C'est débile! Comment je suis censé vaincre ces trucs là? Attendez. Alors, dis-moi tout. D'accord. Apparemment, plutôt que de les recouvrir, il faudrait mieux terraformer en dessous d'eux jusqu'à ce que t'entendes pop. C'est compliqué, hein.
Donc actuellement, j'imagine qu'il n'y a donc aucun moyen de détruire des choses. En tout cas pour nous, pardon, à notre niveau actuel. Hop, allons-y. Ok. J'aimerais vraiment aller retrouver ce que j'avais sur ce... Oh là là. Voilà, on va récupérer de l'énergie à fond. Voilà. Crac. Voilà, pop. Ah, par contre, les gaz autoguidés, c'est fou. Oxygène. Ok. On remonte, on remonte, on remonte. C'est bon. Non mais oh. Respecte ma putain d'autorité, plante. Voilà. Plante. Plante, fais pas ta pute, plante. C'est bon. Ok. Ah, j'ai plus de place. Vas-y, casse-toi. Hop, casse-toi. Casse-toi. Crac. Hop. Quoi? Putain, il continue à me voir. La salope. Ah! J'ai pas eu le temps de la défoncer. J'ai pas eu le temps. C'est un. Comment. Un. Merde. Die and Retry. Je crois que c'est un nom ces jeux-là. Ouais, on va dire roguelike. Vite fait. Vite fait, très très vite fait. On a plein de trucs à remonter en plus ici, c'est bête que je m'acharne là-dessus. Voilà, t'es mouru. Toi aussi, parfait. Ok. Crac. Et de l'énergie en plus. Ça ne m'intéresse pas. Sauf si j'ai de quoi faire. Au niveau des rallonges. Voilà. Du composite. Et normalement, j'aurais été à même de faire encore plus de rallonges. Rallonge, rallonge. Voilà. Excusez-moi. Voilà. Ce qui me permettra d'aller encore plus loin la prochaine fois. Ok. Je peux toujours pas les mettre dans mon... Bah non. Hop, donc je vais virer cette énergie là. Et je vais récupérer le composite. Voilà. Bah merde. J'ai dit que j'allais récupérer le composite.
Ah merde. Bon bah j'imagine que j'ai pas eu le temps. On va remonter des choses, chers amis, maintenant. Crac. En l'occurrence tout ça, hein. Bon, c'est dommage, j'en ai gaspillé une. Apparemment, elle s'est placée sur le... Ah. Ce serait bien que vous vous déplaciez jusque-là. Merci. On va sprinter un coup, vu qu'on est à côté du truc, hein. On va pas s'embêter. Question, l'autre, elle a pas bougé, hein. Non, c'est bon. Bon, on va y aller comme ça, c'est pas grave. Hop. Ce qui nous permettra d'en remonter plusieurs à la fois. Ok. Hop. Voilà. On va aller découvrir des choses là-dedans. Bon, pierre qui roule, la masse pas mousse, hein, vous connaissez le principe. Allez, on y va. Allez! Hop! On est bon. Crac. Ok. Recherche! Ah, caillou. Voilà. Hop. Recherche. Alors, du coup, on va voir si ça comment ça fonctionne ce truc. Hein? Pourquoi inconnu? Hop. Je me demande si je fais suffisamment d'énergie ou pas. Camion. What? Tu viens de dire quoi? Stockage, d'accord. Éolienne, batterie, générateur, une place, panneau solaire, stockage. Ça doit être dans la baie des véhicules. Bon, quoi qu'il en soit, fonderie. Putain, c'est marrant, la fonderie, elle a pas non plus son... La fonderie, elle a pas non plus son... Son générateur. Voilà. Vous voyez, il me l'affiche en rouge, bizarrement, donc c'est parce qu'il n'y a pas de soleil, j'imagine. Fonderie. Hop. Voilà. Crac. Crac. Alors. Éolienne, aluminium, aluminium. Alors ça c'est quoi là-bas? Ah oui, condensateur de carburant. Je sais pas ce que c'est. Hop. Allons-y. Je sais toujours pas ce que c'est. C'est génial. Hop. Ça, je sais même pas comment ça fonctionne. Alors, est-ce que ça alimenterait pas? Est-ce que ça alimenterait pas? Justement, tous les trucs à côté. Genre, si là, je rajoute un truc. Est-ce que, par exemple... Alors, j'ai pas suffisamment de résine, bien sûr. Mais, est-ce que ça alimenterait pas le tout? Si je puis dire. On a de l'oxygène à trouver, là. Hop, voilà. Là, on a un truc à oxygène, donc c'est pas hyper méga intéressant. Là, on a plein de trucs. Et apparemment, on a déjà pompé dedans, plus ou moins. C'est du composite. Parfait. Ok. Alors, en termes d'énergie, je sais pas comment je fais pour en avoir autant, là, pour le coup. Ok.
Alors pourquoi j'ai risqué autant? C'est parce que je sais que juste à côté j'ai de l'oxygène, hein, chers amis. Tout simplement. Regardez. Hop. Et ça remonte. Voilà. Oxygène full. Hop. D'ailleurs, juste à côté, vous voyez, j'avais le fil, hein, donc. Hop, et c'est bon. Pas de problème. Tout va bien. Du coup. Résine, résine. Alors? Merde, c'est du. Non, c'est pas de la résine que j'ai trouvé, je suis con. C'est pas de la résine que t'as trouvé, Marcus. Ça va être chiant de redescendre par là. Apparemment, il y a l'un d'entre nous qui est mort ici. Il avait du titane sur lui. De l'oxygène sur lui. De la dynamite sur lui. Attends deux secondes, je reviens. Ok. Organique, oui, si tu te dis. Ok. Du coup. J'ai envie de voir ce que c'est qu'un générateur, mais j'ai des doutes. Composite, une place. Je sais pas ce que ça va servir. Stockage. Ça nécessite quoi du composite? Hop, bah vas-y. Vas-y, crée stockage. Ça me permet de faire un coffre, ça me dérange pas personnellement. Ok. Et donc. D'accord, en termes d'utilité, je peux passer ça n'importe où. Ok, non, tu vas te placer là, s'il te plaît, merci. Mais apparemment, ça marche pas n'importe où, non plus. Question, si je place, imaginons. Ok, si ça marche, c'est bon. Ok. Le lithium c'est rare, je préfère le poser. Crac. Ok, ça fonctionne plutôt bien ça. Maintenant retrouver le sens dans lequel je suis parti. Hop. Ok. Voilà, on est bon. Cause I'm TNT. What? Mais je l'ai jamais activé! C'est débile! Hop. C'est débile, je l'ai jamais activé, t'es fou! C'est pas par là. Pourquoi j'aurais activé la dynamite? Ah, oh, c'est bête. C'est bête. Ah, j'aime bien quand c'est propre ce que je fais. Hop! Et du coup, j'ai le droit à toucher à son cadavre ou pas? Oui, apparemment oui. Merci. Je sais pas ce que c'est. Batterie. Ok. Aluminium. Ok. What? Du coup, je recharge les batteries. Oh, c'est carrément cool. Ce jeu est carrément bien pensé. Du coup, j'ai bien envie de m'aventurer là-dedans, mais. D'accord, il y a carrément un outil pour aplatir. Ok, c'est parfait. Excusez-moi.
J'ai bien aussi envie de m'aventurer un petit peu plus. Dans des terres un peu plus sauvages, si je puis dire. Hop! Alors Simone, tu tiens plus debout? Hop, parfait. Et j'ai plus du tout de... Crac. On en a littéralement trouvé à foison là. Hein. Ok, on n'a plus qu'à se rentrer. Ok. Bon. En règle générale, ça se passe plutôt bien. On trouve des choses sur des cadavres. D'ailleurs, on va enterrer le garçon parce que le pauvre homme, il mérite de l'être. J'aimerais l'enterrer en fait. Je ne peux pas. Apparemment, je ne peux pas. Ok. Du coup, on va suivre le chemin. Je connais le chemin! Hop, parfait. Et donc, nous avons un tout petit peu de titanium. Non, d'hydrazine, d'aluminium. Alors, j'imagine, pour une raison que j'ignore, que l'hydrazine. Alors j'ai pas du tout compris ce que je viens de faire, mais oui, pourquoi pas. Les batteries, mes batteries sont faibles. Ça c'est quoi? Mon oxygène, d'accord, c'est une ressource d'oxygène supplémentaire que je recharge, ok. Alors du coup j'aimerais bien la placer ailleurs, mais apparemment j'ai pas trop le choix. Ça je sais pas ce que ça j'ai plus rien, d'accord, ok. J'ai du composite, en veux-tu, en voilà. En termes de résine, j'ai plus rien. C'est ce qu'on était parti chercher, mais c'est pas grave. Ok. Parfait, on retrouve un petit peu de. Je peux pas piquer les cailloux pour les jeter, par exemple, de mon chemin, c'est dommage. Donc ça, c'est pas ce que je recherche une fois de plus. Ça, c'est du composite aussi. Donc du coup, dégage. Composite. Malheureusement, c'est pas ce qui m'intéresse non plus. Petit peu de place, voilà. Ah, c'était dur à paquer la résine là. Ah, j'ai plus de piles. Ok, on va attendre un petit peu. Que ça remonte, hein, littéralement. Ça consomme ce truc, dis donc. Ça consomme, ça consomme. Crac. Oh, il me manque rien pour en avoir un autre, je suis sûr. Voilà! Ce qui fait que j'ai deux résines sur moi. Je suis full oxygène. Par contre, c'est vraiment au niveau batterie que j'ai du mal. Donc, je pense qu'il faudra que j'ai et éolien et solaire pour faire fonctionner tout ça. Plus plein de batteries sur moi. Même si vous avez vu que les batteries, du coup, c'est pas forcément viable, si je puis dire. Vu que sur le long terme, bah écoutez, comme vous pouvez le voir, les batteries. Ok, vas-y, fais péter. Imprimante, cuivre, non. Carburant, non. Recherché, non. Fonderie. Kit véhicule, aluminium, j'en ai. J'en ai un. Il va falloir un deuxième. Ah. Ok.
On y va. Hop. Monsieur. Mes hommages. Ok. Ici, voilà, je trouvais ce que je voulais. Je voulais absolument trouver du composite, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que en fait, j'ai tout simplement besoin de... si je le trouve. Rallonge. Voilà, et là on va partir en full explo. Direction par là. Mais. Ça ce sera dans le prochain épisode, chers amis, du coup, parce qu'on a 36 minutes d'épisode, là ça va plus. Donc merci d'avoir regardé celui-ci, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens, et yop.